Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, aujourd'hui j'en profite pour réaliser un tuto concernant les ourlets sur de la toile ou de la bâche. Aujourd'hui c'est sur de la bâche et je vous explique comment je fais. Donc la plupart de toutes les bâches que je réalise sont en ourlets de 5 cm. Et voilà comment ça se passe. Donc tout d'abord, il faudra vous munir d'un mètre pour justement vérifier les 5 cm. Mais la plupart du temps, les 5 cm, c'est au niveau des phalanges. Bon, après, ça dépend hein, au niveau de votre main, mais c'est un bon marqueur aussi pour savoir. Mais sinon, ce que vous allez faire à chaque fois, c'est que vous allez mesurer au bout de votre table. Une fois que vous avez piqué, que vous avez fait votre point d'arrêt, donc vous allez pouvoir commencer. Donc là j'ai 5 cm. Bien évidemment, il faut toujours le tenir à plat. Voilà, toujours le tenir à plat, le tendre, et on va pouvoir commencer à coudre. Donc une fois qu'on arrive là où on avait pris la mesure, on va faire pareil. Donc il va y avoir des moments où on va avoir plus ou moins. Quand c'est le cas, ben, on va avoir un surplus de matière comme là. On va essayer de le passer dans la machine comme ceci. Donc moi je vais m'aider d'un ouzo pour pouvoir le faire. Il faut éviter de tanquer l'aiguille dedans. Souvent, ce qui se passe, c'est que ça va le pousser. Voilà. Donc là, j'ai réussi à le faire passer dedans. Donc là, j'ai mes bons 5 cm. Ah, et j'ai plus de... Merde. Et j'ai plus de fil sur la canette. Bon, ben parfait. Bon, ben écoutez, pour cette vidéo, vous avez vu comment on fait. Au niveau... d'un ourlet de 5 cm, voilà comment c'est sur le côté lisse, sur le côté fini. C'est une fois qu'on aura fait le sac, on va le retourner. Et donc on a nos fameux 5 cm qu'on a respecté. Voilà, ils sont là. Voilà, donc vous savez maintenant comment on réalise un ourlet de 5 cm sur une bâche. Maintenant c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je réponds toujours à mes commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il y a souvent de la vidéo, donc à peu près entre une et plusieurs par semaine. Voilà, vous savez tout maintenant. À bientôt, salut !